On va enchaîner les petits potes, on va faire du play now. La dernière session s'était plutôt bien passée. Elle s'était conclue, c'est vrai, par une défaite. Mais j'avais perdu contre les Knicks, à savoir la meilleure équipe de ces playoffs. Donc bon, c'est pas très très grave. Le match, il était absolument épique. Donc même si j'ai perdu, j'ai kiffé perdre pour le coup. Avec qui est-ce qu'on va jouer là les gars aujourd'hui? On va voir ce que j'ai en first ballot. J'ai les Celtics, j'ai les Warriors, j'ai les Clippers, les Lakers, les Grizz, le Heat, les Bucks, les Pels. Qu'est-ce que les Pels foutent en ballot hein? J'ai les 76ers, les Suns et c'est je vous propose les Sixers. Je vais pas vous mentir, l'axe 1-5 là, c'est pas bon. C'est pas bon pour l'adversaire. Ça me plaît cette histoire, ça me plaît. Brook Lopez contre Joel Embiid. Game time, baby. On est obligé de demander Joel Embiid au poste. Ça va sauter. Il va ressortir. Bien joué. Ah, PJ Tucker. Eh, PJ Tucker, il est vaillant. Est-ce que vous croyez qu'un pick and roll avec Joel Embiid, ça marche bien ou pas? On va la couper au montage, celle-là. Alors là, on va t'attendre, viens. Viens mon petit, on va t'attendre à l'intérieur. Oh, il avait essayé de passer le Eurostep. Ah ouais, quand même. Par contre, c'était bien tenté. Hein. On n'aura pas le board. Putain, on est en train de se faire défoncer au rebond. Allez, pick and fade avec PJ Tucker. Il y a un moment, il va falloir rentrer des shoots parce que le basket, ça marche moins bien quand on met pas le ballon dans le panier. Joel Embiid. On le sait, monsieur. On avait lu, ne t'inquiète pas. Step back. Enfin. J'ai oublié de vous mettre les stats, les gars. Attendez, je vais vous mettre les stats. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça non plus. Yes, excellent, ça. C'est dedans. Ouh, ça y est, on commence à être réglé. Jay Crowder a un shoot extrêmement lent dans ce mode de jeu. Oh, la défense, mon gars. Oh là 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 là. Mon gars, c'est des bulldogs, mes joueurs. Oh là 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 là, ça fait 3 points de suite. J'ai même pas besoin de faire rentrer mes starters. Je vais continuer avec mon banc, avec lequel je suis plus adroit à 3 points. Donc c'est un peu fort. Magnifique. Dommage, on va essayer de lui placer notre petit floppy. And one! Yanis de retour aux affaires, donc là va falloir faire un peu attention. Let's go, 2 sur 3, ball don't lie. Allez, donnez-moi une isolation. On va essayer de taffer Drew Holiday. Pas mal ça. C'est pas mal du tout. J'en étais sûr qu'il allait essayer de revenir sur sa main droite. Faute offensive, passage en force provoqué par James Harden. Redonnez-moi une isolation. Un petit 5-out pour James Harden. Qui va... Oh là 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 là, ça trappe hein. Et on est dans le bonus. Donc on va pouvoir directement se retrouver sur la ligne des lancers francs. Et aller chercher un 2 sur 2 facile avec James Harden. Chris Middleton. Alors là, il a un fade. Franchement, s'il sait gérer le fade, il peut faire des vrais trucs avec Chris Middleton. Il y a des phases comme ça dans le jeu, c'est hyper relou. Merci. Et on finit en puissance. Attention parce que là, il n'y a pas Embiid dans la raquette. C'était sûr qu'il allait forcer. Ouvert, marquage ouvert. Allez, donnez-moi Joel Embiid au poste. And one. Oh là, c'est chaud par contre. Joel Embiid, qu'est-ce qu'il vient de nous faire? Faut finir de l'autre côté du terrain maintenant. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Le snatch. Le dunk. Regardez James Harden, c'est un pitbull mon gars. Ça c'est la mentalité des Sixers. La mentalité du leader qui est Joel Embiid. Y a pas de panier facile mon gars. Oh là là, la petite passe là dans l'intervalle pour PJ Tucker. Hein. C'est dedans. Il est trop fort. Franchement, si j'étais lui, je ferais des tout droits avec Yanis. Hein. En vrai, ça marche bien. Ça marchait encore mieux l'année dernière parce qu'il y avait zéro défense intérieure. Attention. Attention. Magnifique. Magnifique. Et le 3 points qui est converti. Oh. Ça, je reconnais. C'est le shoot du désespoir. Joel Embiid. Tout seul en contre-attaque, bien sûr. 0 points sur les 2 dernières minutes pour Milwaukee. Seul à l'opposé. PJ Tucker. Bang, bang. Goran Dragic. Ça va essayer de jouer James Harden en 1 contre 1, mais je suis bien devant. Step back, bien tenté. Ça passera pas, James Harden tout seul en contre-attaque.
C'est fini. C'est fini, on coupe tout. Je crois que je suis ouvert. Ok, c'est bon. Non, je voulais être bien, bien sûr. Score final 60-32 pour une affiche qui aurait pu être une affiche de finale de conférence. Heureusement pour les Bucks, ils se sont fait sortir avant. Voyons voir ce qu'on a ici. Les Hawks, les Bulls, les Cavs, les Mavs, les Nuggets, les Timberwolves, le Thunder, les Blazers, les Kings, les Raptors. Je suis bien chaud sur cette équipe des Kings. Here we go! Kings contre Mavs. Game time, baby! On va aller à l'essentiel sur ce match. Je pense qu'on va vraiment laver, hein. Je vous le dis. Je le sens bien, là, le Kyrie Irving en défense. Je le sens très, très bien. Les gars. Oh, le... Waouh! Le layup, il est incroyable! Ça veut cuisiner avec Kyrie Irving? On est dessus, mon gars! Oh! On le sait, Alex Len par contre, il peut nous faire un match jordanesque, hein. Je vous le dis, à tout moment ça peut partir. N1 baby. Rebond. Non. Les gars, on va pas se faire prendre des rebonds par Tim Hardaway Jr. Seul. Bang. Il va démarrer main droite. Non, même pas, petite passe. Un peu risqué ça. Mais je vous ai dit, Alex Len, ça va être mon go-to guy. Malik Monk. Monk Malik. À 3. Oui, monsieur. Reggie. Bullock, stoppé par Alex Len, le GOAT. Oh bah, il m'ouvre le chemin. Magnifique, Malik Monk. Encore à 3 points dans le corner. Ça me fait tellement plaisir, tu vois, quand les IA, ils prennent chacun leur couloir, mon gars. Il y a des espaces. On arrive à fixer, trouver le gars tout seul. Ça, c'est très très bien joué, par contre. Faut que le jeu ne me fasse pas mentir, là. Des espaces. De l'intelligence de jeu. Ah, dommage. C'était encore un beau système. Domantas. Merci, monsieur. T'as failli te faire terminer, mais bien joué à toi. Domantas Sabonis. Qui va jouer au poste. L'extra passe pour Kevin Werther. Rebond de Sabonis. And one, baby. Non. C'est nous. Ça, c'est notre domaine. Laisse-nous faire. Oh. Domantas Sabonis. En contre-attaque. Il va travailler le drop step et le layup. On le sait. Let's go, Kings. Oh, la prise de position au poste, elle est mortelle de Sabonis. Ah ouais, mon gars. On va jouer un peu plus à l'intérieur, je crois. On va continuer au poste avec Sabonis. Regarde, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, mon gars? C'est un monstre. Oh, il n'y a pas faute offensive. Merci. Interception. Non. Oh, ça aurait été sévère. Bien joué. Rebond de Sabonis encore. Il est monstrueux, là. Reggie Bullock, t'es sûr que t'es ce gars? Harrison Barnes. Bang. On est dessus. Belle défense. On sécurise. Sabonis sécurise le rebond plutôt. Je pensais pas que Sabonis était si fort. Genre vraiment, c'est à l'intérieur. Après, forcément, ça dépend du match-up, hein. Mais là, clairement, contre les Mavs, c'est un cheat code. Oh. De'Aaron Fox qui va y aller avec le contact. Jamais de la vie. T'es un fou, toi. Il a régalé à l'intérieur. Je veux que Sabonis se mette à 30 points. Et là, le match sera plein. Allez, c'est bon. On arrête tout, s'il vous plaît. En vrai de vrai, on n'a même pas besoin de jouer le quatrième carton. Le seul truc qu'on n'a pas eu, c'est un alley-oop. Et là, vraiment, on pourra dire qu'avec Sabonis, on a absolument tout fait. Ah merde, j'ai chié le timing. Wouah! Incroyable. Et ben voilà, il est là, le alley-oop. Allez, salut!